Alors, hello tout le monde. Je me disais que j'allais faire un petit message sur le forum pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse répondre à mes problèmes. Mais il y a tellement de problèmes. Je me suis dit, je vais vous faire une vidéo. Voilà. Le problème, c'est les phares. Ils marchaient très bien et maintenant ça marche plus. Mais je crois qu'il y a un petit problème de masse. J'explique. Quand j'allume le ventilateur de chauffage, ça m'éclaire les lampes du tableau de bord. Hop, j'éteins le ventilateur, première chose. Quand je mets le clignotant à gauche, ça marche. Et mes clignotants marchent. Quand je mets le clignotant à droite, j'ai les deux lampes qui s'allument. Le rappel de gauche qui est allumé. Une veilleuse allumée. Et l'autre veilleuse allumée. Et le clignotant allumé, enfin plus d'allumé. Tout à l'heure, ça clignotait. Ah ouais, d'accord. Et derrière, c'est légèrement allumé aussi. Donc voilà. Par contre, si je mets le clignotant à droite, à gauche, ça marche. Mais à droite, ça marche pas. Les warnings, eux, ils marchent nickel. Sauf qu'ils ne m'allument pas sur le tableau de bord. Voilà, donc je sais vraiment plus quoi faire avec ce putain de saloperie. Et quand je mets les phares, j'ai une lampe sur les deux qui est allumée. J'ai le rappel de clignotant gauche qui est allumé, avec le clignotant droit, mais pas le phare. Voilà, et je sais plus quoi faire. Donc si vous avez une idée, vraiment, je suis preneur. Autre truc rigolo, voilà, ça s'est allumé, pourquoi, je sais pas, oui, parce que les essuie-glaces ont commencé à démarrer. Donc voilà, si vous avez une petite solution pour m'aider au secours, parce que là j'en peux plus, merci.